de Plamondon. Roger Simard. Et finalement, la victime, pas si innocente qu'on pense de ce soir, Monsieur Michel Jasmin. Alors, rebonsoir. Nous sommes ce soir les hôtes de la brasserie O'Keeffe dans le splendide décor de sa grande salle de réception qui sert de cadre au dîner bénéfice au profit des petits chanteurs du Mont-Royal. À propos de chanteurs, vous ignorez peut-être que M. Michel Jasmin a commencé sa carrière comme chanteur. Vous avez des restes tout intérêt à ne pas le savoir. Oui. Le malheur, c'est qu'il a enregistré des disques à une époque où on enregistrait n'importe quoi, d'ailleurs. Exemple. Souris, tu m'inquiètes. Souris, tu m'inquiètes. Car la gueule de bois m'arrange rien du tout. Souris, tu m'inquiètes. Souris, tu m'inquiètes. Tu n'as qu'une vie à vivre, ne rate pas ton coup. Ne t'en fais pas, il y a des amis qui sont là. Ça remplacera jamais notre hymne national, ça. Non, mais au moins, c'était pas ce rouleau de cire. Oui. On vous fera encore entendre d'autres chansons plus tard, dont Michel Jasmin sera pas plus fier que celle que vous venez d'entendre d'ailleurs. Bon. Au fait, qui est Michel Jasmin? C'est une bonne question. Ouais. Il porte un nom de fleur. On serait porté à croire qu'il serait odoriférant. Étrange, parce qu'avant de faire de la radio, il était représentant dans les toilettes et les lavabos. Exact, n'est-ce pas? Vrai. Cinq semaines. On lui a donné toutes sortes de noms depuis qu'il est à la radio et à la télévision. On l'a appelé le Johnny Carson des pauvres, le Réal Giguère non amélioré, et plusieurs autres que je peux pas dire parce qu'on est à la radio quand même. Enfin, il y a quelque chose qui me fait drôlement plaisir ce soir, c'est que chez nos tortionnaires, les femmes, et c'est la première fois que ça arrive, sont en nombre égal. Ça serait-il qu'elles sont venues ce soir pour assouvir quelque vengeance? On va en avoir la preuve tout de suite, car je vais vous présenter une vieille amie de Michel Jasmin. C'est Louise Latraverse, qui est d'ailleurs la co-animatrice la plus régulière à son émission de télévision. Louise Latraverse a un sens de l'humour assez particulier. Si vous ne la comprenez pas, regardez-moi, je vous dirai quand ce sera le temps de rire, OK? Voici Louise Latraverse. Ça, c'est cruel de me faire commencer. Je vais vous dire tout de suite la première. C'est un honneur. Mon cher Michel. Oui. Je vais être brève parce que d'abord, c'est une histoire triste que je vais vous raconter. J'ai un aveu à te faire. C'est un secret que je garde entre nous 30 depuis quelque temps. Quand je t'ai connue, je tombe en amour avec toi. En fait, pas la première fois. Non, c'est vrai parce que la première fois, je t'avais trouvé plutôt insignifiant. Hein? Et puis, tu n'avais pas l'air de me trouver brillante non plus. Non. T'en souviens-tu? Oui. Mais c'est vrai, l'amour, ça commence comme ça des fois, et puis ça finit comme ça des fois aussi. Alors, c'était juste avant que tu remplaces le gros illimité. Tu viens-tu? Alors là, tu m'as demandé de co-animer avec toi l'émission le matin Bonjour le monde. Alors, je me suis dit, ça y est, il m'aime. Alors, pas deux jours qu'on travaillait ensemble que déjà, tu commençais à me tourner le dos. Dès que tu parlais à tes invités, un gars, une fille, ça ne le dérangeait pas du tout. Il m'excluait complètement. Alors ça, j'ai enduré ça, croyez-le ou non, pendant un mois. Et puis du jour au lendemain, tu m'as laissé tomber comme une vieille chaussette. Je m'en souviens très bien, c'était un vendredi soir. Eh bien, le lundi soir, en direct de Télémétropole, tu me trompais devant toute la province avec ma meilleure amie, Clémence Desrochers. Ben. Et tu m'as trompé au moins 15 fois avec elle.
Non, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, Clémence Desrochers? Faut-tu répondre? Qu'est-ce qu'elle a de moins que moi, je dirais? Non. Bon, elle a du talent. Bon, très bien, mais je veux dire, il n'y a pas juste ça dans la vie. Et c'est pas toi qui es supposé dire ça. Quand je raconte ma vie, en tout cas, là, j'étais très malheureuse parce que, si tu veux, devant la province, il me trompe avec ma meilleure amie. Alors là, j'ai quitté la province, je me suis en allée en Europe. Après ça, il m'a trompé avec une fille différente chaque semaine. Une différente chaque semaine. Ça, c'est absolument insultant. Mais c'est vrai que c'est dur pour une femme. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce qu'elles ont de plus que moi, ces filles-là? Je les connais toutes, puis elles sont très ordinaires. Mais il y a une autre affaire que je voulais dire, parce qu'il y a une affaire que j'ai pas pris du tout. Ça, c'était vraiment juste pour me faire enrager, déterrer les morts comme ça. Une semaine avec Hélène Bédard, là, ça, c'était fort. Une semaine avec Hélène Bédard! Non, mais c'est dur, ça, pour une femme. Alors, de toute façon, alors, c'est ça que je me suis dit vraiment. Là, vous ne demandez pas ce qu'elle a de plus, elle? Oui, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, elle? Elle a même pas besoin de ça pour vivre. Elle! C'est vrai, grande. Bon, très bien, grande, mais pas si drôle que ça. Elle! En tout cas, de toute façon, là, je vais arrêter ici avant d'être complètement ridicule. Parce que j'aurais trop de choses à dire. En tout cas, si un jour t'es mal pris, puis t'es tanné de faire cette émission-là, puis tu veux faire autre chose, tu peux m'appeler, ça me fera plaisir de te remplacer. Roger Simard, le professeur de golf de Michel Jasmin, viendra nous raconter les cauchemars que lui a fait faire son élève, et ce, après cette pause. Roger, viens t'asseoir. Salut, François. As-tu le temps de prendre une bière? Certain. Et quelle marque tu bois? Ben voyons donc. Qu'est-ce que tu demandes là? Ben voyons donc. Donne-moi une au qui. Ben voyons donc. Quand on prend une bière, c'est ton pépère. C'est plus de faire, c'est là au qui. Au qui, c'est celle qui se prend en douceur. Ben voyons donc. Neuf sous le soleil du dimanche, dimanche matin. Des nouvelles fraîches, tout sur la politique, des résultats de dernière heure, des actualités brûlantes, des potins savoureux, un éditorial piquant, des comptes rendus, des critiques, la chronique de Coco, des conseils pratiques, des pages féminines, des analyses détaillées, des photos, des grands noms, une équipe hors pair, un contenu varié. Un dimanche matin renouvelé, un dimanche matin tout neuf. Le dimanche matin, exigez dimanche matin, rien d'autre. En direct du Grand Salon O'Keeffe, le bien-cuit de Michel Jasmin se poursuit. Bon, le prochain rôtisseur à notre émission de ce soir, c'est Roger Simard. La plupart des auditeurs le connaissent bien, c'est le percussionniste à l'émission de télévision de Michel. Il faut vous dire que Roger Simard est aussi le professeur de golf de Michel Jasmin. Quoi qu'il en soit, voici Roger Simard. Ma chère Louise, c'est pas mieux d'être deuxième, je peux te dire ça. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers confrères bourreaux, enfin, en dernier lieu, c'est-à-dire la seule place que tu mérites, cher Michel, je dois d'abord confesser que j'ai longtemps visité, avant d'accepter de venir ainsi lapider sur la place publique, l'une des plus grandes vedettes que la télévision québécoise ait connue. On dira ce qu'on voudra de Michel Jasmin, il reste que ce gars-là est celui qui fait vendre le plus de télévision au Québec. La preuve, c'est que j'ai vendu la mienne, ma sœur a vendu la sienne, les gens l'ont vendu à l'heure. J'ai donc que j'ai longtemps visité à accepter de venir m'acharner sur Michel. D'abord parce que j'ai une job de musicien sur son émission à protéger. Puis deuxièmement parce que je ne voyais pas l'utilité de venir frapper sur quelqu'un qui a déjà été frappé. Pas pour ça, au diable la job.
Quand je te disais que tu t'améliorais au golf, que tu jouais pas si mal, qu'il fallait pas te décourager, je t'ai menti. Dans le temps, je voulais pas perdre ma job. Mais maintenant, ça m'est égal de la perdre ou pas. Je vais te dire la vérité en face, au golf, t'es pourri. M'entends-tu? Il n'y a rien à faire. T'es irrécupérable. T'es un zéro, puis triple zéro. Les gens t'ont entendu chanter. Ils ont trouvé ça affreux. Ils t'ont entendu jouer du sax. Ils ont trouvé ça horrible. S'il fallait qu'ils te voient jouer au golf, là, tu seras obligé d'aller te cacher le restant de tes jours. Michel fait tellement d'erreurs sur un terrain de golf que tu as l'impression qu'il a été programmé par l'ordinateur du Canal 10. Michel est facile à reconnaître sur un terrain de golf, c'est celui qui s'habille le plus discrètement du monde. Un petit chandail rose, puis des pantalons jaunes soleil. Wow, wow, wow! Il est facile à reconnaître, c'est le seul golfeur qui joue avec deux cannes. Michel prétend qu'il n'est pas dangereux pour les autres golfeurs, mais rien n'empêche que sur tous les terrains où il se présente, la direction du golf oblige les autres golfeurs à porter un casque protecteur. Jasmin n'a pas de défaut. C'est le joueur de golf le plus patient que je connaisse. Il peut frapper 20, 30, 40 fois dans le vide avant de toucher la balle. Mais à chaque fois, il se reprend. Il se reprend. Il se reprend. Faut dire qu'il travaille au 10, les reprises, il connaît ça. Puis quand Michel Jasmin réussit à frapper la balle, une fois sur deux, il l'envoie dans l'eau. Au nombre de balles qu'il a perdues dans l'eau, c'est pas un professeur de golf, ça y prendrait, c'est un professeur de natation. C'est pas un cadet que ça te prendrait, Michel, c'est un homme grenouille. C'est pas une voiture électrique que ça te prendrait, c'est un sous-marin de poche. Michel Jasmin n'est pas menteur, mais quand il vous dit qu'il a réussi un score de 72, il oublie de vous dire que c'est après le deuxième trou seulement. Jasmin n'est pas venteur, mais quand il vous dit qu'il joue en haut de 80, il oublie de vous dire qu'il ne parle pas du nombre de coups, mais du degré de température. Enfin, Michel, histoire de me faire pardonner mes vacheries, là, et de reprendre ma job au 10, je dois avouer que sur les verres, tu te débrouilles très bien. Tu potes très bien. Remarque qu'encore là, tu n'as pas tellement de mérite. Quand c'est un musicien qui t'apprend à jouer au golf, tu peux pas faire autrement que bien poter. Ouais. Mais va surtout pas autant te faire d'illusions sur tes talents de golfeur. Tu n'arriveras jamais à faire à Jack Nicklaus ce que tu as fait à Réal Giguère. Le chroniqueur Claude Vallier, le comédien Jean-Claude Brialy et l'animatrice Andréane Lafont ont fondé la filière française pour mieux cuire la victime. Vous serez témoin de ce rôtissage en règle après cette pause. Installez-vous, détendez-vous, y'a vraiment rien comme le train, le plaisir du voyage, c'est en train qu'on le connaît. Faites l'aller-retour Montréal-Ottawa pour seulement $14 grâce au tarif un jour de VIA. Et renseignez-vous sur les autres formules de tarifs réduits VIA. Installez-vous, détendez-vous, voyagez bien, prenez le train. Environnement, consommation, communauté, loisirs, santé, relations humaines. Ce ne sont là que quelques-uns des facteurs influençant grandement notre vie. Ici Judith Paré, reporter à la qualité de la vie sur les ondes de CKAC 73. Je vous livre du lundi au vendredi les informations les plus pertinentes sur tous ces sujets. Trois chroniques aux prouesses du matin, deux à l'émission de Serge Laprade et une vendredi à l'émission à la carte. Vous verrez qu'à CKAC 73, la qualité de la vie, on en prend soin. Retournons maintenant au Grand Salon O'Keeffe pour la suite du bien cuit de Michel Jasmin. On ne sait pas exactement par quoi Michel Jasmin passera à la postérité. À cause de la radio? À cause de la télévision? Ou est-ce parce qu'il y a une rue qui porte son nom à Dorval? Oui, il existe bel et bien une rue Michel Jasmin à Dorval.
faut dire que c'est dans le quartier défavorisé de la ville. D'ailleurs, c'est un cul-de-sac, alors je m'abstiendrai de souligner le symbolisme qu'on peut trouver là-dedans. Enfin, passera-t-il à la postérité comme acteur de cinéma? C'est là son grand rêve. Il cultive les amitiés dans ce sens-là. Il serait mieux de cultiver les choux, ça serait plus payant. En tout cas, quoi qu'il en soit, nous allons nous transporter à Paris pour illustrer ce que je veux dire. À Paris, où Claude Vallier, qui est le chroniqueur des actualités parisiennes, à l'émission À la carte de Michel Jasmin, s'entretient avec un gars à qui Michel Jasmin voudrait bien succéder, Jean-Claude Brialy, immense vedette de cinéma. À vous, Paris. Bonjour Michel Jasmin, c'est Claude Vallier. Alors voilà, je suis très heureux de vous parler aujourd'hui parce que je sais que CKAC vous consacre une émission bien particulière et on m'a même soufflé à l'oreille que j'avais le droit de dire des vacheries à votre propos, si j'en trouvais. Je ne peux rien dire de méchant sur Michel Jasmin, bien au contraire, c'est un garçon que j'adore, que j'admire, c'est un garçon qui est plein de talent et c'est un garçon d'une générosité extraordinaire. Tenez, je n'en veux pour preuve que chaque fois que je viens au Québec, le premier à me téléphoner, c'est Michel. Michel qui m'appelle, qui me dit « Claude Vallier, je sais que vous êtes un amateur de gastronomie, je vais vous faire connaître les grands restaurants gastronomiques du Québec. » Et grâce à Michel, effectivement, et toujours invité par lui, eh bien, j'ai connu tous ces grands restaurants québécois. Je connais Dunn's, je connais Da Giovanni, je connais McDonald's, je connais Schwartz, je connais Ben's, tout ça, je connais grâce à Michel Jasmin, tous ces restaurants inoubliables. C'est un garçon que j'adore, que j'admire. Et puis en fait, vous savez, c'est agréable de travailler avec Michel Jasmin au téléphone. Tenez, par exemple, moi je l'appelle tous les jeudis à midi et demi, je vous donne les nouvelles de Paris au téléphone, de Paris à Montréal. Donc c'est fantastique. Bien sûr, si je devais être comme certains de mes confrères dans le studio, alors là, dans le studio, bien sûr, il y a l'odeur et puis on risque peut-être un coup de canne. Non, mais moi, j'ai pas de risque là-dessus, il n'y a pas de problème. Non, Michel, c'est un garçon que j'adore. Pas parce qu'il bégaye de temps en temps qu'il faut le brimer. Non, non, non. Michel, tu es un des numéro un au Québec. Tu es le numéro un au Québec et ceci depuis plus de plusieurs années. Hein. Alors, écoute, il n'y a pas de secret dans ce métier-là. Moi, j'aime Michel Jasmin, c'est un grand bonhomme et je suis très fier de collaborer avec Michel Jasmin. D'ailleurs, je vais te passer Jean-Claude Brialy, qui est un de nos amis communs, qui lui aussi va te dire ce qu'il pense de toi. Eh bien, bonjour Michel, c'est Jean-Claude Brialy. Je te remercie de la longue lettre que tu m'as envoyée. Tu me demandais des conseils pour faire du cinéma et tu me parlais de vouloir être un jeune premier. Alors, à la fin de la lettre, mais tu m'as demandé dans le post-scriptum de te trouver un chirurgien esthétique qui puisse t'arranger un peu la tête pour faire concurrence à Delon. Alors, je me suis renseigné, il y en a un très 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 bien, très très cher. Alors, j'ai expliqué ton cas, il m'a dit quand même que ça durerait assez longtemps. Pour l'instant, il est sur Line Renault, il n'en finit pas, je crois qu'il aura fini dans 2 ans, 3 ans. Alors, si tu veux bien, comme je pense que je viendrai avant au Québec, je t'apporterai tous les prospectus, tu diras exactement ce que tu veux, et puis on essaiera de sur toi une expérience pour que tu deviennes comme, on verra Paul Newman, Robert Redford, on choisira. Hein, y a un grand catalogue. Je t'embrasse. Merci Claude Vallier et Jean-Claude Brialy. Je vais maintenant vous présenter une femme qui n'a jamais moyen de faire taire, surtout lorsqu'elle s'y met à deux. Comme c'est le cas au programme La vie quotidienne à Radio-Canada. Vous avez deviné qu'il s'agit d'Andréane Lapon. Je sais pas ce que ça va donner avec Michel Jasmin, parce que tout le monde sait qu'ils sont en chicane depuis belle lurette au sujet de leurs invités, qui se disputent quotidiennement d'ailleurs. Moi, je suis plutôt du côté d'Andréane Lapon par instinct, d'abord parce que c'est une vieille amie, puis parce que je suis du bord des femmes de toute façon. Alors la voici, je vous la confie pour quelques instants, Andréane Lapon. Merci Roger. Je vais vous dire une chose, qu'on soit deuxième, troisième ou quatrième, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Michel Jasmin. C'est agréable d'être premier, par exemple. Oui, hein? Bon, Michel Jasmin, je nous ai trouvé des liens communs. Par exemple, tout à l'heure, vous l'avez entendu rire. Mais j'ai appris que Michel avait un contrat
qui lui demandait de rire 15 fois par heure dans son émission. Et comme il est fidèle à sa signature, il rit. On ne lui a pas dit quand, mais il rit. Et je sais aussi que Michel Jasmin, il ne vous l'a peut-être jamais dit, et on ne l'a jamais lu dans les journaux, il a un rêve, mais un rêve. C'est avoir une émission à CBFT, une émission en tant que chanteur, une série d'émissions. Et il s'est passé une chose qui est un peu vraie, pas totalement peut-être, enfin d'après ce qu'on m'a raconté, il ne faut pas trop se fier au raconteur. Michel est passé à une émission à Radio-Canada, CBFT récemment, une émission qui durait depuis plusieurs semaines. Et on l'a invité non pas en tant qu'intervieweur et animateur, on l'a invité en tant que chanteur. Et la semaine suivante, l'émission disparaissait. La série finie. Autant, on en a parlé aussi. Alors, notre lien, vraiment, on a le même métier avec quelques différences d'années, n'est-ce pas? Et alors, moi, j'ai un problème et je ne comprends pas, Michel, parce que je t'aime et que tu ne m'as jamais remercié, mais jamais. Tous les matins, sans exception, à la vie quotidienne, je dis à mes invités, n'oubliez pas de vous rendre à l'émission de Michel Jasmin à la carte, à CKAC, puis vous répéterez ce que vous nous avez dit, vous nous avez raconté. T'as pas été gentil, tu m'as jamais remercié. On m'a jamais fait la commission. Les gens étaient discrets. Oui. Mais tu savais ce qu'ils allaient répondre. T'avais pas de questions à leur poser. Ils arrivaient, ils disaient, voilà ce qu'on veut dire. C'est pratique, ça. Alors, mon cher Michel, je pense avoir terminé, mais je vais te dire une chose. C'est que je t'aime beaucoup. Tu as énormément de talent. Et j'aime ton courage, ta volonté, et je t'aime tout court. Je vous embrasse. Serge Grenier, l'ex-cynique devenu comique, viendra faire un autre tour de broche à Michel Jasmin après cette pause. Salut à la belle saison, les week-ends, les vacances. Prends le temps de vivre ta vie comme tu l'entends, car c'est ta vie à toi. Les maîtres brasseurs au kiff. Je suis à la Banque Royale. Les clients ont tous le sourire. J'aimerais bien savoir pourquoi, mademoiselle. Moi, c'est parce que je profite d'un des nombreux comptes d'épargne de la Banque Royale. Je me prépare des belles vacances. Et vous, monsieur? Moi, je viens d'obtenir un prêt personnel. J'avais une bonne raison, alors ça n'a pas été difficile. Ça fait que mon idée, mon vieux, ça va marcher. Voilà donc pourquoi les clients de la Banque Royale sourient. Ils sont contents et ça paraît. Comme dirait Jean Lapointe... Pour épargner ou emprunter avec le sourire, parlez-moi d'une Banque Royale. En direct du Grand Salon O'Keeffe, le bien cuit de Michel Jasmin se poursuit. On sait que Serge Grenier est un ex-cynique. C'est faux. C'est faux, il ne l'a jamais été. Les autres non plus. Parce qu'ils... Ils n'étaient pas cyniques, ils n'étaient que quatre. Au collège, une année, il avait gagné le Grand Prix d'élocution française. Quand il est monté sur scène pour remercier, personne n'a compris ce qu'il a voulu dire. J'espère qu'il s'est amélioré. Le voici, Serge Grenier. Je me suis posé une question. Je me suis dit, ça vient d'où, ce Michel Jasmin? J'ai commencé avec Michel, je me suis renseigné, ça vient de l'hébreu. Le prénom Michel vient de l'hébreu, qui signifie « semblable à Dieu ». Voyez? J'aime autant Ryan. «
Et maintenant, jasmin. Enfin, j'ai fouillé le Robert, le petit Robert, puis j'ai appris ceci. C'est un mot qui date du 16e siècle, là, approximativement, qui vient de l'arabo-persan Yassimine. C'est un arbre sarmenteux et vivace, de la famille des oléacées, à grandes fleurs jaunes ou blanches, souvent très odorantes. J'espère que ce n'est pas ton cas. Ensuite, je me suis posé une autre question. Comment ça se fait qu'il est animateur au Canal 10? Parce qu'avant, il n'y a pas si longtemps quand même, pour être animateur au Canal 10, il fallait ou bien être gros ou bien s'appeler Giguère. Alors, il y avait Réal, qui est assez gros, merci. Huguette Proulx, Suzanne Lapointe, qui sont pas si minces qu'on pense. Selon Michel Jasmin, le Québec se divise en trois parties. Ceux qui sont passés à Michel Jasmin. Tous ceux qui sont pas encore passés. Et ceux qui passeront jamais. En fait, je sais pas s'il y a une liste noire, mais moi, je sais une chose, c'est que la comédienne Monique Joly passera jamais à son show. Pourquoi Monique Joly, allez-vous me dire? C'est très simple, c'est parce qu'elle a les mêmes initiales que lui, puis qu'il a peur de se faire voler sa chemise. Évidemment, Michel Jasmin a beau être populaire, être aimé de tout le monde comme ça, il demeure un être humain. Il n'est pas parfait. Par contre, il y a des défauts. D'abord, il est curieux. Enfin, curieux. Fouineur, devrais-je dire. Regardez-y le nez. Il veut tout savoir. Ben, ça tombe bien, il sait tout. C'est un gars extrêmement bien renseigné. C'est pas le genre à aller se promener à Londres sur les bords de l'Artémise. Ou à Athènes pour visiter le Parthenay. C'est un gars propre, méticuleusement propre. Mais il devrait attendre que ses invités soient partis avant de sortir la canette de Florian. C'est un gars qui est toujours... Odorant. Pardon? Je suis pas le seul à être odorant, celui-là. C'est un gars toujours bien mis, hein? Au 10, il y en a deux qui sont bien mis comme lui. Il y a lui, puis il y a Marc Laurendeau. Mais c'est pas Michel Jasmin qui va aller se déguiser comme ça pour faire un fou de lui. Sauf la fois où il s'est habillé en Louis XIV. Le 10, c'est moi. Imaginez Michel Jasmin habillé en Louis XIV, le gros Denis Vaugeois en Frontenac. Mais la meilleure, c'était Christine Chartrand, Marie de l'Incarnation. J'espère qu'on aura droit à une reprise l'été prochain, hein? Mais en fait, Michel Jasmin est un gars éminemment sympathique, on le sait tous, même s'il lui arrive parfois, pas souvent, mais des fois, d'être un tantinet distant. Je me souviens un jour, je sortais de ses cassés en même temps que lui, puis il y a un gars un petit peu pacté qui s'approche de lui, puis qui lui dit « Bonjour, je m'appelle Thibault. » Jasmin l'a regardé droit dans les yeux, puis il a dit « Pas moi. » Michel Jasmin, il n'est pas snob pour deux sous. Mais vraiment pas. Sauf qu'il veut se faire faire son propre code postal. Mais je ne voudrais pas terminer sans vous révéler un secret, parce que moi, j'ai eu le bonheur de l'approcher et d'apprendre une chose qu'il n'a pas encore révélée à personne. Michel Jasmin s'est fait une devise. Peut-être qu'un jour, il acceptera de la révéler en public, mais il y a une devise qui est encore pour le secret. En fait, il s'est inspiré, c'est rien d'original, il s'est inspiré de la devise d'une ancienne famille noble française qui existe encore d'ailleurs, qui s'appelle les Rohan-Chabot. Puis les Rohan-Chabot, à l'époque, avaient une devise qui était la suivante. « Roi ne puis, prince ne daigne, Rohan suit. » Alors, Michel Jasmin s'est fait une version, c'est celle-ci. Carson ne puit, Giguère ne daigne, Jasmin suit. J-
Jacqueline Vézina a quitté son salon de la femme quelques minutes pour venir poivrer son supposé ami. C'est à cette cuisson que vous êtes conviés après cette pause. En grande première, les deux font la paire. C'est la super vente unique du jamais vu qui a débuté aujourd'hui au Colisée Jean Béliveau de Longueuil. Les deux plus grands concessionnaires Pontiac Buick de la Rive-Sud, Air Forte et Candiac Automobile, sont réunis sous un même toit pour vous présenter la vente des ventes. Aujourd'hui, demain et mercredi, un choix et des prix incomparables. Et vous pouvez prendre possession de votre voiture sur les lieux mêmes du Colisée, au coin Jacques Cartier, Curé Poirier, à Longueuil. Air Forte et Candiac, les deux qui font la paire pour votre meilleure affaire. Tous les jours, dans l'ordre, c'est le grand désordre au Montréal en vrac avec Louis-Paul Allard à CKAC. Mais ce savant désordre n'est en outre qu'une façon de remettre de l'ordre dans vos idées à la fin d'une journée mouvementée. Peu importe l'ordre, circulation, météo, sport, insolence, autre page, pour un retour au bercail sans détour et avec humour, du lundi au vendredi, de 15h à 17h45, c'est le Montréal en vrac avec Louis-Paul Allard à l'antenne de CKAC 73. Retournons maintenant au Grand Salon O'Keeffe pour la suite du bien cuit de Michel Jasmin. Vous allez entendre un rire. Il s'agit pour vous d'en déterminer la source. À qui appartient ce rire? Vous avez le choix entre Fury, Champion, National Velvet et Michel Jasmin. Alors, à vous de décider. Vous trouvez pas que ça fait chevalin un peu? J'ai oublié de vous dire une autre des ambitions de Michel Jasmin, c'est qu'il voulait être poète. Eh ben oui, il a fait dans la poésie. La poésie lui a jamais pardonné d'ailleurs. Le pire, c'est que n'ayant pas réussi à publier ses poèmes, il en a enregistré. On a donc cherché chez les disquaires, dans les invendables, vous savez, là. On a trouvé un poème de Michel Jasmin, mis en musique. Vous allez en juger vous-même. Mais je vous en prie, soyez clément, hein, soyez... Ta main dans la mienne. Ça me donne du courage. Et quand je vois ton visage, je me sens si heureux. Et quand je touche tes cheveux, oui, c'est comme un songe. Tu es mon petit ange. Mais ne m'oublie pas. Comment que non? Je n'oublierai jamais. Ah. On peut pas toujours se payer la poésie de Luc Plamondon. Vous n'avez pas honte? Oui. L'émission radio de Michel Jasmin sera diffusée quotidiennement du Salon de la Femme pendant toute sa durée au Vélodrome, soit jusqu'au 3 mai. Il y a des petits bouts de femmes dont l'activité est si grande qu'on se demande où elles prennent toute cette énergie. J'en veux pour preuve celle qui a fondé le Salon de la Femme, qui en est toujours la directrice, Jacqueline Vézina. Ça bien effrayant. Moi, je veux dénoncer ce bien cuit-là. C'est pas un bien cuit, c'est un mal cuit. C'est épouvantable. Le réalisateur m'a dit, on t'invite parce que t'es l'ami de Michel Jasmin, puis il va être entouré d'amis. Vous appelez ça des amis, vous autres, Michel? C'est tes amis, ce monde-là? Mais je trouve ça effrayant. C'est des vautours, des jaloux. En tout cas, moi, Michel, je veux te dire une chose. Si je suis venue ici ce soir, rassure-toi, c'est pas pour faire comme tout le monde qui est là. C'est pas pour te descendre. Je suis pas grosse, mais c'est pour te remonter. Je vais prendre ta défense devant ce public-là qui t'est si sympathique. L'aimez-vous, vous autres, Michel Jasmin? Manifestez donc ça un petit peu, là. Pour que je...
Je veux pas me sentir toute seule de mon bord, là, avec lui. Me rassure de savoir qu'il en reste encore un peu. Ben oui, comme tu constates. Alors moi, ce que je veux, Michel, c'est prendre ta défense. Il est parti du ciel, FM, mais là, vraiment, il est tombé très bas, assez cassé, télémédia. Il est rendu en enfer avec des démons autour de lui qui veulent le cuire, qui veulent le brûler. Lui qui l'est déjà pas mal. Parce que, franchement, Michel, excuse-la, celle-là, hein. Mais Michel, fallait que je te le dise. C'est trop. La radio le matin, la radio le midi, la radio l'après-midi, le soir, au canal 10, au canal 7, au canal 13, au canal 8, au canal 21. Vraiment, Michel, c'est trop d'exposure. Vous trouvez pas? Michel, ce que je comprends pas, c'est que... Il y en a qui pensent que t'es un misogyne. C'est pas vrai. Savez-vous ce que c'est un misogyne? C'est un homme qui est contre les femmes. Mais c'est pas vrai dans le cas de Michel. Il est pour les femmes. Écoutez, il passe son temps à crier sur tous les toits que les femmes devraient se libérer, sortir des foyers, sortir de leur maison. Je trouve que t'exagères un peu parce que t'en gardes à peu près un million et demi à tous les soirs à la télévision dans leur maison. Vous trouvez pas, vous autres? On est pas capable de sortir. Je voudrais te parler d'une chose très importante, tes cotes d'écoute. Oui, je voudrais que tu arrêtes de te vanter, là, devant tout le monde, de ta cote d'écoute, tes cotes d'écoute. Il y en a d'autres qui en ont connu des grosses cotes. Aujourd'hui, ils connaissent des grosses, enfin, d'autres choses. Je te donne un exemple, OK? Prends Yves Christian. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Hein? Mesdames, messieurs, il vend des shampoings pour les bébés. Réal Giguère, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la folle au théâtre. T'es-tu seulement demandé une chose? Qu'est-ce qu'ils font, ces téléspectateurs-là, pendant ton émission? Hein? Tu sais pas, hein? Comment ça se fait que si tu rejoins 2 millions de personnes et que les nouvelles TVA qui te suivent, elles, n'obtiennent que 500 000 téléspectateurs, t'es-tu posé la question? Non. La vérité, mesdames, messieurs, mon pauvre Michel, c'est que tu endors les trois quarts. Le compositeur Luc Plamondon viendra ajouter son grain de sel au bien cuit de Michel Jasmin après cette pause. Roger, viens t'asseoir. Salut François. As-tu le temps de prendre une bière? Certain. Et quelle marque tu bois? Ben voyons donc. Qu'est-ce que tu demandes là? Ben voyons donc. Donne-moi une au qui. Voyons donc. Avant, vous ne pensiez même pas au coût du mazout. Et maintenant que chaque goutte vaut presque son pesant d'or, vous cherchez des solutions écono-énergiques. Quelle est la vôtre? Ultra confort, bien sûr. Ultra confort peut vous faire économiser jusqu'à 60% sur vos frais de chauffage. Ultra confort offre à ses clients la pompe à chaleur générale électrique, un climatiseur l'été et environ 60% de mon chauffage l'hiver. C'est tellement plus logique. Ultra confort, un service d'Ultramar, la compagnie écono-énergique. Appelez-nous 353-96-30. L'humour, c'est du sérieux à CKAC 73. En direct du Grand Salon O'Keeffe, le bien cuit de Michel Jasmin se poursuit. Celui que je vais vous présenter maintenant n'aurait vraiment pas besoin de présentation, c'est le co-compositeur de l'opéra rock Starmania. Et comme parolier, il écrit des chansons, entre autres, il en a écrit pour René Claude, pour Diane Dufresne, plusieurs autres. Son rêve, paraît-il, comme parolier, c'est de mettre des mots intelligents dans la bouche de Michel Jasmin. S'il est ici ce soir à ce bien cuit, c'est pas parce qu'il est beau, c'est pas parce qu'il est fin, c'est pas parce qu'il est intelligent, c'est parce que, franchement, on le sait pas. Le voici, Luc Plamondon.
voulez voir ce que ça a l'air des brouillons d'auteur? Je sais pas si je vais être capable de me relire, parce que d'habitude, j'ai des chanteurs pour chanter ce que j'écris. Je peux pas vous dire beaucoup de mal de Michel Jasmin en tant qu'homme, parce que je le connais pas dans sa vie privée. J'ai jamais été chez lui. Je peux pas vous dire s'il est bien meublé ou s'il l'est pas. Mais j'ai fait comme les recherchistes de son émission de télévision, parce que ce que vous savez peut-être pas, vous autres, les spectateurs, c'est que quand on est invité dans son émission, il y a des recherchistes qui téléphonent à nos amis pour leur demander nos petites manies, nos petites défauts. Alors lui, il a l'air intelligent, après, il sait tout, il pose des petites questions, intelligent, des fois moins, mais c'est pas de sa faute, il y a du monde derrière qui les lui fournissent. Alors moi, j'ai essayé de faire la même chose, j'ai appelé du monde qu'ils connaissent, pour connaître ses petites manies, ses petits travers et tout ça. Ça n'a pas donné grand-chose, j'ai eu bien de la misère, tout le monde m'a dit, tu comprends, on peut pas dire du mal de Jasmin, c'est délicat, ça risque d'arriver à ses oreilles, on a tous besoin de Michel Jasmin dans le métier en ce moment, c'est ça, un peu à moi. Tout ce que j'ai réussi à savoir, c'est que c'est un maniaque de la propreté. Il paraît que si vous allez chez lui, là, il vous suit avec sa balayeuse électrique au cas où vous échapperiez de la cendre de cigarette sur ses tapis. Mais, en tant qu'animateur de télévision, là, je pourrais vous dire du mal de lui. Mais j'oserais pas, hein? On a tous besoin de Michel Jasmin. Mais je peux quand même vous dire que sa manie en tant qu'animateur de télévision, sa principale manie, c'est la primeur. Lui, n'importe quoi dans son émission, il est d'accord pourvu que ce soit en primeur. Alors, si vous trompez votre mari pour la première fois, madame, vous pouvez aller passer dans son émission. Il va dire merci d'avoir choisi mon émission pour le révéler pour la première fois. Michel Jasmin, il fait pas ce qu'il aurait voulu faire. Il aurait voulu être un chanteur. Et j'en ai la preuve, parce qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il m'a téléphoné, lui-même en personne, pour me demander si je lui écrirais pas une chanson. Et puis, attendez le prétexte, hein? Et c'est parce que, vois-tu, je préside une campagne de souscription pour les petits chanteurs du Mont-Royal. Alors, j'ai pensé à une affaire. Peut-être que tu pourrais m'écrire une chanson que je chanterais avec eux autres, et puis ça pourrait les aider. Beau prétexte pour faire un retour à la chanson, déguisé en bonne œuvre. Et il se dit sûrement, évidemment, avec 60 chanteurs derrière moi, si je chante mal, ça paraîtra pas. Alors moi, j'ai pas osé lui dire que j'avais pas le temps de faire une chanson, mais j'y ai suggéré de reprendre son gros hit d'il y a 10 ans, les Hot Pants, avec les petits chanteurs du Mont-Royal. Ça serait vraiment hot, mais il paraît que le directeur de la chorale a pas voulu parce que le titre est en anglais. Alors, je vais être poigné pour écrire une chanson pour Michel Jasmin. Celui, je peux pas y refuser ça. On a tous besoin de Michel Jasmin. On doit à la postérité de tout dire sur Michel Jasmin, les bonnes choses comme les mauvaises. Chez les compositeurs, les auteurs, les chanteurs, ce sont les œuvres de jeunesse, leurs œuvres de jeunesse qui déplorent. Pas chez Michel Jasmin. Les choses qu'il regrette, c'est pas ses œuvres de jeunesse. Ce sont ses œuvres d'âge mûr. Ça, c'est beaucoup plus grave. Je vais vous en donner un exemple. J'ajoute que vous avez parfaitement le droit de vous boucher les oreilles parce qu'on est en pays libre. C'est une chanson de Michel Jasmin. Il pensait les avoir toutes détruites, mais il en restait une qui était bien cachée. C'est la chanson Hot Pants, et la voici. Les Hot Pants. On aura tout vu, on aura tout entendu. Je suis content qu'on manque de temps. Oui. C'est maintenant l'heure de la grande réplique. Et la vengeance sera douce au cœur de Michel Jasmin. Douce, prompte et surtout drôle, comme vous pourrez en juger par vous-même après cette pause. Salut à la belle saison. Les week-ends
Par les maîtres brasseurs au kiff. Qu'en pensez-vous, Jacques? Ben, d'après moi, le meilleur drapeau serait d'accord. Non, je veux dire, qu'en pensez-vous de ce genre de musique à la radio entre 8h et 11h le dimanche soir? Au FM? Ben, moi, je crois que les stations en modulation non, de fréquence... Non, je pense à notre émission. Qu'en pensez-vous, Jacques, à CKAC le dimanche soir? Ah oui! Qu'en pensez-vous, Jacques? Je suis profondément ému que ce soit Roger Beaulieu qui soit maître rôtisseur. C'est le maître des maîtres rôtisseurs, effectivement, Roger Beaulieu. Hein? C'est vrai. C'est d'autant plus émouvant que, tu sais, Roger Beaulieu, c'est le gars qui a décrit l'ouverture de la route de l'Alaska, l'enterrement de Roosevelt. Il a rencontré Churchill, il a rencontré Maurice Chevalier, il a enterré toute la gang. Vous savez qu'on parle plus de la naissance de Roger Beaulieu, on parle de la fondation de Roger Beaulieu. On a essayé de trouver, d'ailleurs, des souvenirs de jeunesse, on n'a jamais été capable, mais on a l'impression qu'il est venu au monde vieux. Moi, maintenant, je sais tout sur la Confédération canadienne. Tout. C'est Roger Beaulieu qui m'en a parlé. Il était là, il était reporter pour un journal dont on se rappelle même plus le nom. C'est lui qui m'a renseigné là-dessus. Vous savez que pour Roger Beaulieu, c'est pas tout à fait un nouveau rôle de faire ce qu'il fait, de présenter des gens comme la belle brochette qu'on a là. D'abord, il a été maître rôtisseur pendant 2 ans. Puis ça fait 5 ans qu'il faut au royaume des animaux. Je dois vous dire aussi que je suis très heureux que le bien cuit auquel on m'a convié, de façon de parler, le bien cuit qu'on me fait, je suis content que ce ne soit pas arrivé dans le temps des fêtes parce qu'on n'aurait jamais pu avoir Roger Beaulieu comme maître tisseur. Parce que Roger Beaulieu a 5 enfants qui sont tous nés en septembre, alors si vous comptez à rebours, vous allez voir qu'en temps des fêtes, il est probablement occupé. Une autre chose que j'ai apprise aussi, Roger, il est un des seuls, sinon le seul, à être allé au Pôle Nord avec Hélène Bédard. Tu peux pas faire comme tout le monde, se contenter du reine Élisabeth. Le Pôle Nord, rien de moins. Ma chère Louise, c'est vrai que la traverse, c'est un drôle de nom. Hein? Quand vous étiez petite, ma chère Louise, on vous appelait la traverse de Lévis, vous haïssiez bien ça. Hein? Mais vous avez une faculté d'adaptation qui est extraordinaire, moi je trouve ça. Quand elle est restée aux États-Unis, parce qu'elle restait à New York, la petite Louise, ça n'a pas l'air de ça, mais à New York, elle s'appelait Louise Ferryboat. Elle va souvent à Paris. Elle va très souvent à Paris. Remarquez les mains, l'intérieur des mains, là, c'est plein de cloches. C'est, évidemment, la rame, c'est fatigant, mais c'est moins cher que l'avion. Tantôt, elle nous parlait du mois qu'elle a passé, qu'elle a subi en ma compagnie à l'émission. Je comprends, c'est peut-être dur, un mois en ma compagnie, mais ça paye des vacances en Europe, je vous entends. Louise, elle a 3 occupations principales. Elle change de vêtements, elle change d'idée, puis elle change de chum. Je suis content qu'elle soit là aussi ce soir, parce que c'est une fille qui est très occupée. Pas professionnellement. Puis Louise, j'ai juste un conseil que je voudrais donner. Je voudrais pas que ce soit mal pris. Mais moi, à votre place, au lieu d'être comédienne, j'aurais été esthéticienne. Là, au moins, vous auriez été sûr de dérider du monde. Embrasse Louise. Roger Simard. Il a dit qu'il tapait pas sous moi parce que j'avais déjà reçu des coups. Moi, je taperai pas dessus parce qu'il est vieux. Vous savez d'ailleurs qu'il a trouvé l'explication à la calvitie, hein? Il sait que ceux qui perdent leurs cheveux par en avance parce qu'ils pensent, ceux qui perdent leurs cheveux ici, à l'arrière,
c'est qui sont sexés. Et comme lui, ceux qui perdent en avant et en arrière, c'est ceux qui pensent qu'ils sont sexés. Je suis content aussi, Roger, que t'aimes ça, le golf. Parce qu'à partir de lundi, tu n'auras rien que ça à faire. Vous savez, on est allé jouer au golf en Floride ensemble. Quand on se présentait sur les terrains de golf, les préposés aux petits chariots, là, aux petits cartes, ils me prenaient à part et ils me disaient « Est-ce que vous voulez qu'on aille chercher votre père au 9e ou s'il va se rendre jusqu'au 18e? » Roger, c'est un gars qui croit au recyclage de la matière. En plus, regardez-y l'habit. Jean-Claude Brialy, Claude Vallier, malheureusement, on ne peut pas s'adresser à eux personnellement, mais je sais qu'ils vont entendre cet enregistrement-là. On manquait que pour Claude Vallier, qu'il ne soit pas ici, à toute chose, malheur est bon. Ça donne une chance aux autres de placer un mot. Il y a ça. C'est un gars qui est très humble, Claude Vallier. Je ne sais pas si vous avez noté, vous l'écoutez probablement, l'émission à la carte, à l'occasion, vous voyez que c'est un gars qui est très, très humble. Il est tellement humble qu'à chaque fois qu'il célèbre, lui, son anniversaire de naissance, il envoie un télégramme de félicitations à sa mère. C'est peut-être pratique courante en France, remarquez bien. Pour ce qui est de M. Brialy, ça m'a fortement impressionné de savoir que Jean-Claude avait participé à ce bien cuit-là. Surtout quand on sait que Jean-Claude Brialy a tourné dans sa carrière un film par année. C'est un monsieur qui est fort connu. J'ai compté dans sa filmographie 111 films. Andréanne Lafont. Andréanne, chère Andréanne. C'est un... C'est beaucoup, beaucoup, avec beaucoup d'émoi que je m'adresse à vous. J'ai jamais rêvé à ce jour-là d'être sur la même scène que vous. Je me rappelle, je vous écoutais quand j'étais petit. Vous savez, Andréanne a été la première femme à la télévision ici au Québec, avant même Michel Tissère. Vous savez pas aussi que c'est une bonne comédienne, Andréanne. Remarquez que ça se voyait pas tellement ici, vous allez me dire. Ça, je suis d'accord avec vous. Elle fait aussi de la peinture. J'ai eu l'occasion de voir ses œuvres, déjà. Je préfère les œuvres au rouleau. Et finalement, chère Andréanne, vous avez dit que j'avais dans mon contrat une clause qui m'obligeait à rire 15 fois à l'heure. J'oserais jamais passer une heure avec vous. Chère Mademoiselle Vézina, chère Jacqueline, j'ai été un peu étonné des propos que vous avez tenus. Vous avez tenté de vous porter à ma défense, mais vous avez laissé glisser quelques vacheries dans vos propos. Ça m'a étonné. Venant d'une femme aussi sérieuse que vous, une femme aussi stable que vous, une femme qui a été préposée au lavage de vitres au Bubble Bath Car Wash, qui a été gérante du département des objets perdus d'une buanderie, qui a été gérante de route pour Avon, représentante pour une compagnie d'assurance, qui a été comédienne à jouer le rôle d'une porte dans Tour Eiffel qui tue. Vendredi, le 1er mai, j'ai remis les trophées et les parchemins aux 10 femmes de l'année au Salon de la Femme. J'ai été un peu surpris de ne pas en remettre un à Jacqueline Vézina, parce que Jacqueline Vézina a été la preuve depuis au moins 12 ans, en tout cas, que les 10 plus belles années d'une femme sont entre 28 et 30 ans. Ma chère Jacqueline, vous rajeunissez de plus en plus. Si ça continue, vous allez finir par faire votre âge. Quand vous avez fait mon émission, c'est vrai que j'ai beaucoup ri quand vous étiez là. J'ai pas posé beaucoup de questions, mais que voulez-vous, on travaille avec ce qu'on a.
Plamondon. Mon cher Luc, c'est vrai qu'on se connaît pas beaucoup. On se connaît pas beaucoup professionnellement. C'est pour ça que ça m'a étonné un peu que vous soyez ici ce soir. Puis ensuite, j'ai compris, c'est Starmania, il faut que ça se paye. On me l'a demandé, ça ne s'excuse pas. Hein? Oui, puis le cachet, tu mets ça sur Starmania, de toute façon. Luc, c'est un des seuls que je connaisse qui, bien qu'ayant du talent, a encore des amis. Et à preuve de ça, essayez donc d'appeler chez eux pour le fun. La ligne est jamais libre. C'est un gars qui aime tellement le téléphone que si vous appelez chez eux, même si vous avez le mauvais numéro, il vous dit « Je peux-tu prendre un message pareil? » Après ce que j'ai entendu, Luc, tantôt, ce que vous avez fait ici, là, je suis vraiment persuadé que c'est vraiment toi qui as écrit le blues du businessman. Puis je comprends pourquoi tu as dit « J'aurais voulu être un artiste. » Merci, Luc. Serge, mon ami Serge, jusqu'à ce soir, j'avais toujours regretté la dissolution des cyniques. Mais depuis tantôt, je comprends que c'était mieux comme ça. Fallait que ça arrive. Serge, c'est le seul gars que je connaisse qui, pour se recycler et se ressourcer, va passer 4-5 ans à Ottawa pas à Toronto. Les deux seules villes au monde où une averse de pluie devient une attraction. Il est allé se ressourcer là. Ça paraît qu'il étudie la philosophie, hein? Ça paraît qu'il étudie au séminaire de Mascouche. Non, Terrebonne. Ça valait pas la peine de se pousser du séminaire de Terrebonne pour jouer le rôle de frère d'un cynique. Franchement. On m'avait prévenu que ce soir, les couteaux voleraient bas. C'est vrai qu'ils ont volé passablement bas, les couteaux. Et il y a une chose que je prends pour moi et que j'adresse à mes camarades aussi, c'est que les injures, il faut savoir les mériter. Mais avec des amis comme vous autres, je sais qu'à cette heure, j'ai plus besoin d'ennemis. Merci beaucoup, tout le monde. C'est un honneur d'avoir été là. Merci, M. Grossman. Et bien voilà, c'est tout pour ce soir. Et c'est ainsi que se termine le bien cuit de Michel Jasmin. À la sonorisation, Florent Sylvain et Pierre Laberge. Réalisation, Jean-Pierre Paiement. En direct de la brasserie O'Keeffe, c'est Roger Beaulieu qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour le nouveau festival de l'humour québécois sur les ondes de Télémédia. Bonsoir à tous. Ici Gilles Latulippe. J'ai décidé de venir tenir compagnie à votre animateur préféré pour vous parler de tapis. Pas de n'importe quel tapis. Les tapis des entrepôts tapis métropolitains. Pourquoi tapis métropolitains? C'est un peu parce qu'ils m'ont demandé de venir vous parler d'eux autres, bien sûr. Mais si j'ai accepté, c'est surtout parce que moi, j'ai acheté mon tapis chez Tapis Métropolitain il y a 4 ans. 4 ans plus tard, il est encore aussi beau. Même mon petit gars n'a pas réussi à passer au travers. Je comprends maintenant pourquoi Tapis Métropolitain remet à chaque acheteur un certificat de garantie du meilleur achat. Ce certificat vous garantit que votre tapis est de première qualité, que vous payez le prix le plus bas et que l'installation est garantie à vie. En connaissez-vous un autre marchand de tapis qui vous offre autant de garanties que Tapis Métropolitain? Moi, j'en connais pas. Les entrepôts Tapis Métropolitain, il y en a tellement, on peut quasiment y aller à pied. Il y en a à Montréal, Brossard, Longueuil, Châteauguay, Saint-Jean, Dollard-des-Ormeaux, La Salle et Laval. Chez Tapis Métropolitain, tout est garanti. Vous en passez un papier.